cette partie, on va commencer par faire quelques calculs de domaine. Alors ça, c'est vraiment la partie des complexes où tu peux te faire surprendre le plus, j'ai envie de dire, parce que bah, chaque domaine est différent. Du coup, mon objectif ici, c'est vraiment de te donner quelques exemples génériques et la manière de procéder pour que tu puisses trouver à peu près n'importe quel type de domaine. Mais bon, le mieux, ce serait vraiment de faire le plus d'exos possible, histoire d'au moins tous les parcourir. Parce qu'il y en a non plus, il n'y en a pas une centaine non plus. Donc maintenant, si on suppose que, voilà, donc j'ai un point M, donc un point M d'affixe Z est égal à A plus IB. Donc Z, donc là ce serait A et tel que Z est égal à 4. Donc ça, ce serait le premier domaine. Le deuxième domaine, ce sera argument de Z est égal à allez, pi sur 4. Et le dernier, donc pas le. Non, allez, on en prend encore deux. Donc ça sera assez facile. Donc ces deux, ils seront. On va commencer par ces deux une fois. Alors, l'argument de z, donc petit 1, l'argument de z égale à 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que. Graphiquement, là, si j'ai le plan, j'ai le point M. Son argument est égal à 4. Pardon, son argument. Son module est égal à 4. Ça veut tout simplement dire bah, que. Donc là, j'ai U et là, j'ai V. L'axe des réels, l'axe des imaginaires. Ça veut dire que son module est égal à 4. Donc sa distance, la longueur du vecteur, est égale à 4, tout simplement. Et c'est tous les points qui vérifient cette distance. Donc on part tout le temps de 0, 4, 4, 4, 4, tac. Donc finalement, il s'agit quoi? Un cercle de centre quoi? De centre 0 et de rayon 4. Hein? Voilà, celui-là, il est cadeau. Deuxièmement, donc le deuxième, qu'est-ce qu'on peut dire? L'argument de z est égal à pi sur 4. Donc maintenant, on se rappelle qu'est-ce que c'est qu'un argument? Donc l'argument, c'est l'angle entre, donc là, le vecteur u et, donc z, vu que z, c'est l'affixe du point m, donc c'est cet angle. Et en fait, il me dit quoi? Bah, l'angle, il doit être de pi sur 4. Donc ça va être quoi? Ça va être ce point, ce point, ce point, ce point. Donc ça va être toute cette droite. Whoop, ouais, ici, ben, j'ai l'angle aussi qui est égal à pi sur 4. Donc toute la droite. Par contre, le point en 0, on ne le prend pas. Ouais. Et si on va en arrière, est-ce qu'on prend? Ben, je commence d'ici, je vais aller en arrière, je ne suis plus à pi sur 4, je vais être à moins quelque chose. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que ça va être vraiment une demi-droite. Oh là, demi-droite O M. Donc là, on ne prend pas le point 0 hein, parce qu'on n'aura pas d'angle. On n'a pas un angle en 0, 0. C'est pas un angle. Donc en tout cas, c'est pas un angle de pi sur 4. Donc c'est la droite, c'est la demi-droite OM. Voilà, tout simplement. Donc ici, tu peux bien voir, elle est représentée par ici. Et elle va à l'infini. Donc ça, c'est l'ensemble de points. Donc on parle aussi genre d'une demi-droite ouverte, bah ouais, parce que là, cette partie, elle est ouverte. Donc ça, c'était encore un petit exemple facile. Après, bah, on peut aussi avoir des domaines qui sont parfois un peu plus compliqués, j'ai envie de dire. Par exemple, allez, on va donner un petit exemple ici. Je veux que z carré moins z appartient au réel. C'est quoi ce domaine? Donc là, il y a deux méthodes. Moi, je vais seulement en faire une. Donc la première, ça serait de dire quoi? Ça serait de dire. Donc je vais t'expliquer pourquoi j'en utilise qu'une. Donc la première, ce serait de dire que z est égal à a plus ib. Calculer tout ça. Donc z carré. Donc bien sûr, le module, c'est égal à a moins ib. On calcule tout ça. Bah, et après, on dit que l'imaginaire de z carré moins le module égale à 0. Et ça donne une équation. Donc là, je passe par la forme algébrique, essentiellement. Et là, la deuxième, en fait, c'est. Je préfère, quand il s'agit de calcul de domaine, au moins, tu as une méthode
fixe, ça sera d'utiliser des propriétés avec l'argument et le module. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est réel? Parce que ça veut dire quand un nombre est réel, ça veut dire quoi? Que son module est égal à lui-même. C'est la meilleure manière de le dire. Donc, j'ai z carré moins z bar, son module est égal. Attends, module. Pardon. Pas son module. Je confonds les mots maintenant. Son conjugué est égal à lui-même. Comme ça, on reste dans cette cohérence. Tu vas voir que c'est un peu plus sympa. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Donc, ici, bah, le conjugué d'une soustraction, c'est la soustraction des conjugués. Donc, j'ai au carré moins z barre. Ouais. Et ça, c'est égal à quoi? Bah, ça fait z au carré moins conjugué du conjugué. Donc, c'est une symétrie axiale et je reviens. Donc, c'est lui-même en fait. Okay. Et là, je veux que ça, ce soit égal à ça. Donc, j'ai une égalité ici. Et je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec z carré moins z bar est égal à z bar carré moins z. Je passe tout d'un côté. Donc, z carré moins z bar au carré plus z moins z bar égale à 0. Et maintenant, voilà, le but, c'est de résoudre cette équation. Donc là, moi, je veux direct une simplification. Si tu pars par une autre simplification, tu vas voir que ça aboutit pas. Donc, c'est pas grave, hein, perds pas espoir. Pars plutôt, simplifie tout de suite, factorise plutôt ici. Tu vas voir, parce que le but, c'est de factoriser ça avec ça. Ouais. Donc là, avec la troisième identité remarquable, je factorise comme ça. Et en fait, je vois quoi? Je vois que là, j'ai encore un facteur commun. Donc, je refactorise un coup. Et j'obtiens cette équation qui me dit quoi? Deux informations. Z est égal à. Donc, ça égale à 0 ou ça égale à 0. Donc, j'ai quoi? Z est égal à z bar. Ça veut dire que z est réel. Première info. Et la deuxième info me dit quoi? Donc z plus z bar plus 1 est égal à quoi du coup? Bah, si z est réel, z est égal à z bar. Donc j'ai 2. Pardon. Donc ça c'est égal à 0. C'est équivalent à quoi? Ça veut dire que z plus z bar, vu que z bar est réel, donc j'ai 2z est égal à moins 1. Donc z est égal à moins 1 sur 2. Voilà, donc j'ai bien z un réel, oui, il est réel et il est égal à moins 1 sur 2. Donc ça, c'est un type de domaine que tu peux aussi avoir. Un peu plus compliqué que les deux premiers, mais ceux-là, il faut vraiment bien les comprendre. Donc le cercle et la demi-droite. Un autre exemple auquel j'ai pensé, ce serait quoi? Ce serait z plus 1 sur z moins 1. J'aimerais bien que ce soit imaginaire pur. Donc, comment tu t'y prends là? Alors, pour que ce soit imaginaire pur, donc reste dans la logique module, argument, conjugué. Qu'est-ce qu'on a? Donc, surtout, pense conjugué. C'est vraiment ça que je te dis, pense conjugué. Hein. Donc, tu vas, donc, si on appelle ça grand Z, bah, grand Z, mais en fait tu veux que le conjugué de grand Z est égal à moins le conjugué. D'accord? Pardon. Moins Z. Ouais. Parce que le conjugué de I, c'est égal à quoi? Moins I. Donc là on a un moins. Pour que ce soit réel, on veut que le conjugué soit égal à lui-même. Par contre, quand c'est imaginaire pur, on veut que le conjugué soit égal à moins lui. Et maintenant, ça va nous faire ben justement une deuxième équation. Donc là, on va avoir une équation. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc z bar est égal à quoi? Z plus 1 sur z moins 1, le tout bar. Ça, c'est le conjugué d'un quotient. Comment on s'y prend? C'est le quotient du conjugué. Après, comment on développe ça?
On sait que la somme, donc ça va être quoi? Ça va être le conjugué de z plus le conjugué de 1. Le conjugué de 1, c'est un réel, donc ça reste 1. Et le conjugué de z moins le conjugué de moins 1 qui reste un réel, donc ça fait ça. Ok, donc sympa. Donc la première propriété, c'est le conjugué du quotient, c'est le quotient du conjugué, déconjugué. Et là, le conjugué de la somme et la somme déconjuguée. Très bien. Donc ça, on veut que ça soit égal, hein. Cet égal, c'est cet égal qui donne la condition d'imaginaire pur. Ça va, tu me suis? À quoi? Bah, A moins Z. Donc A moins Z. Donc là, je mets un moins devant, donc il y a un moins ici et moins là. Hein. Moins 1 sur Z moins 1. On est bon? Ok, cool. Et ça, c'est mon équation maintenant. Donc je vais tout monter là. Alors bien sûr, z est différent de 1. Sinon ici, ça s'annule. Donc lui déjà, on l'exclut. Alors maintenant, je vais faire un produit en croix. Ça fois z moins 1 est égal à z bar moins 1 fois moins z moins 1. Ouais. Là, comme d'hab, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer cette affaire. Donc j'ai z bar z moins z bar. Donc j'ai fait ça et j'ai fait ça. Maintenant je fais ça et je fais ça. Donc plus z moins 1 égale. Hein, égale moins z bar z moins z bar. Moins moins ça fait plus z, moins moins ça fait plus 1. Ok, donc on est reparti. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on peut simplifier quelque chose? Alors le moins z, il dégage avec ce moins z. Le z, il dégage avec ce z. Donc j'ai quoi? J'ai maintenant lui. Lui, je vais le passer ici. Donc je vais avoir 1 plus 1, ça fait 2. Et lui, je le passe là. Z bar z plus z bar z, ça fait 2 z bar z. Donc je me retrouve avec z bar z est égal à 1. Est-ce que tu te rappelles à quoi est égal z bar z? C'est aussi égal au module au carré. Donc je me retrouve avec le module de z est égal à plus ou moins 1. Mais sauf qu'un module, c'est une distance, ça doit être positif. Et ça, c'est quoi? Ça te fait peut-être penser à l'exercice 1. À l'exercice 1, qui est celui-là, le module. Donc, je me retrouve avec un cercle à peu près de rayon 1. U. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, sauf que là, tu ne dois pas oublier ça. Z doit être différent de 1. Alors ce point-là, il faut qu'il dégage. Donc lui, il est exclu. On le prend pas avec. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que tu comprends la structure. L'idée, c'est quand tu trouves un domaine, au lieu de passer peut-être par des formes algébriques et tout ça, moi, je te conseille vraiment de passer par le conjugué. Donc, si on veut résumer, un réel. Donc z est réel si le conjugué de z est égal à lui-même. Z est imaginaire pur si le conjugué de z est égal à moins z. Donc ça, c'est les deux règles principales. À partir de ça, donc tu peux déjà faire tout ce qui est réel, tout ce qui est imaginaire pur. Voilà.